Ah, on est en direct. Attendez, je peux baisser le son du casque. Tac. Le niveau du son, de la voix, c'est peut-être bien. Attendez, si je me mets comme ça, c'est peut-être bien. Je vais le micro encore un peu. Voilà, là je peux pas faire plus près. Voilà. Ah! Comme dirait notre cher ami Denis Brognard. Tourner la télé quand même, parce que sinon on va rien y voir. Et ce serait triste. Je vais décaler le Mac. Voilà. Voilà, j'espère que vous m'entendez. J'espère qu'on entend bien le son de ma voix. Le son du jeu, c'est normal. C'est parce que, putain, sur le menu de la Switch, il n'y a pas de son. Donc, non, mais je l'ai fait la mise à jour, Pokémon. Je vais baisser le son parce que je sens que je vais les oreilles. Voilà, je vais mettre à 5. Voilà, à 5, c'est bien. À 5, c'est très très bien. Voilà, je le redemande. Est-ce qu'on m'entend bien? Pas trop fort, pas trop. Voilà. Mais compris. On va jouer à Sonic Mania. On va faire une petite partie de Sonic Mania. Yeah boy. C'est beau. Je vous laisse de la musique. C'est pas beau ça? C'est-il pas beau? Alors attendez 2 secondes. Alors je vous cache pas, j'ai déjà découvert le jeu, même avant de l'acheter. Parce que je vous dis un truc, petite anecdote. J'étais chez mon meilleur pote à ce moment-là. On se dit, bah, là, je vais faire un tour sur le Nintendo eShop. J'ai vu Sonic Mania, c'était instant buy. Tellement que je suis amoureux de ce jeu, c'était instant buy. Je l'ai acheté direct, sans réfléchir. J'ai pas réfléchi. Tout simplement, j'ai pas réfléchi. Quoi? Sérieux? 14 millions? Putain, Cyprien vient d'atteindre les 14 millions d'abonnés. Putain, si je pouvais avoir ce chiffre. Si je pouvais avoir ce chiffre, ce serait tellement beau. Attendez. M'entendez bien, vous entendez bien le son du jeu, c'est parfait. Excusez-moi si vous entendez le retour, hein, c'est parce que j'essaie de je vérifie aussi de mon côté. Voilà, vous avez le jeu en plein écran, c'est parfait. Mais écoutez, je crois qu'on est parti. Mode main. Est-ce que je commence une nouvelle partie? Non, je crois que c'est pas la tour aussi. Je vais commencer à nouveau, tiens. On va faire Sonic tout seul. On peut se débrouiller tout seul. Ensuite, on va faire. Bon, j'ai 3 jeux pour l'instant. Enfin, j'ai 3 jeux, j'en ai. Allez. 4. Ouais, 4. Écoutez, j'en ai 4. Je compte Octopath Traveler. Non, 5 plutôt. Je sais plus compter. Bon. Bande passante trop faible, mais nique ta mère. Voilà, c'est parfait. Voilà, alors je joue à la manette. Je joue à la manette Joy-Con sur support manette. J'ai déjà essayé de jouer avec les Joy-Con détachés là comme ça. Vous savez, quand on détache les Joy-Con qui sont tout seuls là comme ça, c'est tellement agréable. Et pour le coup, ouais, c'est vraiment, vraiment tellement agréable. Hop, du coup, c'est assez. Ah, la Switch est très confortable en vrai. Hein. C'est pas là. C'est vraiment la console que tu peux emmener partout. À toutes les occasions, tu peux l'utiliser. Et ça, c'est bien. Ça, c'est beau. C'est la belle vie. Ah!
Ah mais sans déconner, la Switch, c'est vraiment la console. C'est peut-être pas l'ami du caca comme dirait Benzaï, mais c'est l'ami qui tue le temps. Ça c'est... Me fait avoir... C'est l'ami qui tue le temps, ça c'est sûr et certain. Je concentre, c'est pas trop faire de la merde, même si c'est pas trop faire. Les niveaux des émeraudes du chaos, franchement, c'est les meilleurs du jeu. Regardez-moi ça, là je joue au joystick. Je vois pas l'intérêt de jouer à la croix directionnelle dans ces niveaux. C'est tellement, mais c'est tellement le Sonic Saturn. Ça c'est le Sonic Saturn. Quand je vois beaucoup qui disent ouais Sonic Mania c'est le Sonic Saturn, non pas du tout. C'est un Sonic Mega Drive. Mais par contre les niveaux des Chaos Emerald, là oui, là c'est un jeu Saturn. Là je suis d'accord. Mais on est très loin d'être sur un jeu Saturn, très très loin. De base. Mais là, on ressent les balbutiements. Putain, je fais n'importe quoi. Les balbutiements de la 3D comme ça, très isométrique, très basique. Ça je dis oui. Ça honnêtement je dis oui. On va essayer de choper la première Chaos Emerald, ce serait bien. De prendre des hop. Oh putain, je fais neuf. Oh putain. Hop. Normalement, je la rattrape. Je le rattrape sans hésitation. Hop. Ah! C'est pas rattrapé! Voilà, parfait! Ah oui! Il est dit merde! Tu as farmé le Time Breaker ou pas? Merde! Eh ben, je le farmerai, mais plus tard! Pour l'instant, je profite de ma nouvelle console, si vous voulez. C'est comme ça. Premier boss. Un boss qui est pas compliqué, faut juste pour prendre le pattern. Aïe! Il m'a baisé ce con! Ah putain! Okay. Je vais me faire avoir, moi je le sens. Donc, c'est bon. Parfait. Nickel. Premier niveau terminé. Sonic got through act 1. Laisse-moi boire. Ah putain. Ouf. Voilà. Voilà putain. Commence pas à faire les conneries putain. Une dash. Mais c'est vraiment. C'est pas. Quand je vous dis que c'est un stand-by ce jeu, mais c'est vraiment un stand-by. Genre je l'ai vu, j'ai cliqué sur acheter quoi. Parce que ce jeu, ce jeu le mérite. Il le mérite, mais amplement. Mais il monte sur la tyrolienne, bordel de merde. Allez. Voilà. D'accord. Ah bah c'est quoi, allez hop. Ciao, bye bye. Passe par là. Je sais pas si c'est par là en plus, je crois. Ah non pas du tout. Pas du tout. Je suis mort comme un caca. Bon, on va essayer de se rattraper. Rien n'est joué. Je prends le rocher, fais chier. Aïe. Ah j'ai vu la trajectoire du sol, j'ai dit ah putain de merde.
aller là-haut? Non, pas du tout. Ah putain, c'est vrai. Ah, bouclier de feu, ça c'est bien. Faire des dash comme ça. Ah, attendez, il y a un secret. Voilà. Comment t'es censé savoir? Je l'ai découvert complètement par hasard. La première fois que je l'ai vu. Par hasard. Regardez-moi comment le jeu va vite. Sans déconner, regardez comment le jeu va vite. C'est un truc de putain. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade mental. Comment ça? Oh la tyrolienne! Bon, je vais faire un. Fils de pute. Je l'avais pas vu. On va faire un niveau. Sonic 3. Ça peut être intéressant. Mais c'est clairement des niveaux que j'aime pas. J'aime pas ce niveau. À un moment, ça bourre la tête. J'aime pas que ça bourre la tête. À part si c'est pas au point. Voilà. Le but c'est de collecter des orbes bleus et quand tu encercles des orbes bleus, ils deviennent des rings. Et donc du coup, si tu viens parfait, tu as une médaille en or et pas des Chaos Emeralds. Voilà l'histoire du truc. Et c'est très difficile parce qu'à un moment ça va te bourrer le cerveau. C'est horrible. Franchement c'est horrible. Ça commence à me brouiller le cerveau. Putain, je suis n'importe. Oh putain, ça y est, je fais n'importe quoi. Je vais prendre de l'élan. Hop. J'ai récupéré toutes les rings. J'ai jamais réussi ce niveau. Pour vous donner une idée de la chose, j'ai jamais réussi ce niveau. Si c'est bon! Voilà, et là on a une médaille en or. Médaille en or pourquoi? C'est pour les bonus apparemment. Mais voilà, je n'ai pas plus d'informations que vous. J'ai déjà un let's play de Final Fantasy VI qui m'attend. Je vais pas commencer à faire tous les let's play du monde. Bon, je fais comment pour sortir moi. Ah. D'accord. Hop. Y a pas une. Ici, si, y a un truc pour le Chaos Emerald. Il y a un truc pour lequel c'est moi, c'est sûr. Mais c'est une bonne question. Très très bonne question. Je peux plus revenir. Ça vient à la grosse chienne. Bon là. Là, on voit. On voit. De toute façon, il est fait que pour ça. Regardez-moi ça. C'est beau, c'est bien. On a regardé mon sort. Ah putain le con. Je savais pas que ça tue sur maman. Je sais que ça explose mais je savais pas que ça pouvait tuer sur maman. Oh. C'est une erreur que je ne reproduirai plus mon commandant. Ah putain le con. Le connerie putain. Non, ouais, putain. Game over. Game over. Ah, je suis mauvais là par contre. Ah, je suis très très mauvais. Putain, je me déçois moi-même. La capacité de Sonic Super Sprint, issue de Sonic CD, est maintenant disponible. Ah bon? Sérieux? On fait comment pour la faire? D'accord. Bon, je vais essayer. Je vais faire ma partie, tiens.
Je vais en reprendre partie. Je suis coincé sur ce niveau, c'est un truc. Je sais pas comment utiliser le super spring dans une série. Je sais plus. À force de faire ce niveau, je le connais par cœur. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que j'arrive pas à ce niveau. C'est niveau. C'est pas qu'il est compliqué, c'est que. Je sais pas, je joue trop à un moment. Genre là. Voilà, ça va, je m'en sors pas trop mal. Tac, 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 tac. Tac, je donne ça, hop. On l'a pas. Quand tu te fais pas. Ah, putain. Ça vient. Mais, une tam. Parfait. Mais pourquoi je saute à chaque fois que je vois ce machin? Bon, petite particularité du gameplay intéressante. Quand on a une priorité, ça fait ça. Ça sert à rien, c'est rigolo. Mais mon chat. Qu'est-ce que tu veux, mon chat? Pas si vous l'avez entendu. Je couche la sacoche. Viens, mon chat. Viens. C'est dur. Bébé chat. Bébé chat. Les chats, c'est la vie. Sif de. Panique pas, panique pas, panique pas, panique pas. Ne paniquons pas. Je vais faire un peu de poulain pour vous. Alors des fois j'ai un bug. Et voilà, et voilà. Je voulais faire le bas, mais je suis vraiment con. J'étais joué. J'étais moins joué. Hop, ça c'était joli ça par contre. Ça c'était très joli. Regardez-moi ça comment ça va vite quoi. Ça serait sur le méga rare exploserait. Et encore elle est connue pour son blast processing. Mais bon, c'est du bouche. C'est du bouffe. Ah! Donne-moi. Je sens la connerie avec. Je ne sais pas pour. Je suis. Voilà. Voilà, 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 voilà. Et j'étais dans l'autre sens en plus. Voilà. Voilà. Ah merde! Putain, je regardais. Je regardais le retour du stream, putain. J'ai plus fini. Bon, là, c'est le boss. Le boss, il est. Oh, il est voilà, voilà, il est ce qu'il est. On est pas compliqué même si je te dis non. En fait, il faut attendre que les débris nous fassent. Nous montent pour pouvoir toucher le truc bleu là. Jusqu'au bout. C'est long, c'est chiant. Voilà, là ça commence à monter. Touche, même pas plus.
Je vais peut-être crever comme un con. C'est pas une magie, hein. Encore un coup. Ouais. Encore un coup, il est mort. Je crois que ça, c'est le meilleur endroit pour se faire des points faciles, quoi. Du jeu, je crois que c'est le meilleur endroit pour se faire des points faciles, quoi. Là, c'est l'acte 2 qui me pose problème. C'est l'acte 2 qui me pose problème. C'est l'acte 2 qui me pose problème parce que il y a un moment, c'est pas que c'est dur, c'est juste que je suis complètement mongol. Et du coup, bah, je fais de la merde. Alors, petite particularité. Ah, je vais monter là-dessus, comme ça c'est vérifié. Je vais passer par là-haut parce que le bas c'est la mort. Ça c'est bon. Aïe. Alors attends. Spin dash, hop. Ça je dis oui, ça je dis oui, ça je dis oui. Hop. Et ça, nouvelle mécanique de gameplay, les portes. On peut les passer qu'une fois. Vous allez voir, c'est très vicieux dans le sens où tu peux avoir des secrets qui sont cachés derrière les portes en fait. Mais une fois que tu y as accès, bah c'est très compliqué d'y revenir. Donc, faut faire. Faire ça. J'ai fait une connerie, commandant. Je vais aller monter sur le radiateur, c'est pas grave. Oh joli. Ah, c'est bon. C'est tellement ça. Mais qu'est-ce que je trouve le saut. Alors je sais pas où je dois jouer en fait. D'accord. Je sais plus à quel moment il y a un secret dans les portes. Mais je sais qu'à un moment il y en a un. Non, je voulais pas rentrer là-dedans. Ouais. J'aime pas ces niveaux. Honnêtement, je les aime pas. Ça me roule la tête, c'est un peu ouf. Ah putain! Pour l'instant, je me débrouille pas mal. Moi, je dis ça, je dis rien. Je suis là, j'avoue, assez content de moi. C'est étonnant. Comme à mon habitude. Il y a un truc au moins. D'accord. Allez, je fais n'importe quoi. Tarmir. Mais putain, mais. Ah, oh, pas possible. Oh la vache, oh la vache. Voilà, vous voyez. Vous voyez. J'aurais pu avoir la chaussure, mais. Je suis tellement allé vite. En plus, ce niveau, il est long. Il est long. C'est un truc de ouf. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai bugué dans ma tête. Me demandez pas parce que même moi je le sais pas. Là je l'ouvre. Je passe, je passe, je passe. Voilà. On passe dans les détritus. Les détritus. Je suis jamais encore passé par là, je suis passé par le haut je crois en plus. Donc Inch'Allah comme on dit. J'espère que ça va m'amener quelque part. C'est très bien. Ça commence à m'ébriser.
Très bien. Oh non! Et voilà, game over. Bon, on va faire un autre jeu. On va faire autre chose. On va faire quoi? Ce que je peux faire. C'est quoi qu'il y a dedans? Ah oui, c'est vrai que c'est Pokémon. Ah, je vais pas faire du Pokémon. De toute façon, j'aime pas Pokémon. Donc. C'est quoi, je vais mettre Mario Kart. Ça va être plus simple. T'aimes pas Mario Kart? Là, je t'emmerde. Comment on peut ne pas aimer Mario Kart, sérieux? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai envie de lui dire gros fils de pute, je t'emmerde. Voilà, Mario Kart. Voilà. Mario Kart. Pour les petits et les grands. C'est incroyable. Faut savoir un truc, sur ce jeu, je suis pas un dieu, mais je joue trop bien. Genre, je joue trop bien. C'est un truc de ouf. Alors, pas Pitcha, parce que je l'emmerde la Pitcha. Puis pas ces cartes de merde. Non, j'en veux pas. Moi, je veux ça, je veux ça. Et je veux ça. C'est bien, c'est parfait. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Road Ruban, Circuit Yoshi. Qu'est-ce qu'on a? On va mettre Road Ruban. C'est pas mal. C'est pas mal, le Road Ruban. C'est pas mal. Bon, écoutez, les amis, j'ai une petite interrogation pour vous. Est-ce que je dois m'acheter un micro Bird UM1? Pas un Blue Yeti parce que c'est trop cher, mais un UM1 au moins pour le son, si vous entendez bien le son, parce que c'est vrai que c'est une question que je me demande en fait. Je me concentre pour le départ. Tac. Bon bah allez hop, je crame tout le monde. Le dérapage magique, je vous dis. Le dérapage magique, je vous dis. Et j'ai une carapace rouge alors que je suis premier, quoi. Quel gros fils de pute. Mais t'inquiète pas, mon coco. Dès que je suis deuxième, je te l'envoie dans la gueule. Pas de problème. Pas de problème, coco. Pas de problème. Ah, bah, parfait. Parfait. Et puis lui, il s'en prend. D'accord, quoi? C'est bugué, là. C'est bugué. Ça, c'est fait. Comme ça, plus personne me fait chier. Voilà, plus personne me casse les couilles. Oh, t'as voulu me l'en faire? T'as voulu me la faire à l'envers, mon copain? Ben non. Qu'est-ce qu'il a voulu me faire? Bah alors, il est malade, lui. T'as cru que t'allais m'avoir comme ça, ou par contre... Aïe, 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 aïe. Donc là, c'est vrai que là, je me suis... Là, je suis bien pris la rouge. Je l'ai bien senti passer. Là, non. Alors, qu'est-ce que j'ai? Boomerang. Ça va pas me servir, ça, tiens. Hop. Hop. Ce qui est bien avec le boomerang, c'est que dès que tu l'utilises... Bah voilà, voilà. Vous voyez ce qui s'est passé. Bon, j'espère que je vais pas me prendre une connerie. Bon, déjà la carapace rouge, je m'en fous en fait. Bon, les pièces. Je crois que je vais garder le dernier boomerang s'il y a une carapace rouge qui me vient à la gueule.
Pour l'instant, je suis bien, je suis très très bien. Je suis très 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 bien. On garde le cap. On garde le cap. Putain, j'essaie de me gratter les yeux là en même temps, mais c'est dur. En même temps, je peux pas faire pause. Là, je peux pas faire pause. Ah putain. Dépêche, dépêche. Dépêche. T'as la pute. C'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on arrive premier quand même. Vous voyez? Vous voyez? Bon. Et là encore, c'est rien. C'est rien, je trouve que j'ai eu un peu trop de malchance quand même. J'ai eu un peu trop de malchance quand même. En même temps, j'ai tellement torché Mario Kart 8 sur Wii. Une corée comme ça. Voilà quoi. Ouais, on n'a pas la route arc-en-ciel. Oh, quoique. On va mettre la petite route arc-en-ciel des familles. Je suis seul avec toi, MDR. Eh ben écoute, on est tous les deux. De toute façon, on va laisser la diffusion sur YouTube. Comme ça, il y a plein de monde qui vont pouvoir regarder la diffusion. Ils vont se dire, ah oh, putain, mais ils jouent trop bien. C'est un truc de ouf. Mon dieu. Tavernier. En fait, là, ce qui est bien, c'est que la route arc-en-ciel ou l'aéroport, franchement, je m'en fous. Parce que j'aime les deux courses. Oh là, oui. Ah, oh, oui. Ah, je dis oui. Ah, là, je dis oui. Là, je dis oui. Un gros oui. Route arc-en-ciel, très bien. Eh ben écoutez, on va faire la route arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre truc? Je suis le troisième. Oui, je suis le troisième de mon équipe, de mon rang. Pas mal, je sais pas mal. Bon, je vais essayer de regagner tout ce que j'ai perdu, parce que j'ai plus même sauvegarde dans la cartouche, malheureusement. Du coup, on va essayer de redevenir niveau 3000 équipes. Ce serait bien, quand même. Comme ça, au cas où. Voilà. Ah, putain! Je l'ai mal calculé, celui-là. Je l'ai mal calculé. C'est ma faute. C'est ma faute. My bad, my bad. Voilà. On va essayer de rattraper Pulpin. Pulpa. La pulpe. La pulpe d'amour. Voilà. Pulpin, ça dégage. Je m'en fous des pièces. Je vais me prendre une bleue un de ces jours, moi. Je le sens. Je vais me prendre une bleue, moi, je le sens. Je le sens. Mais putain, mais arrêtez avec les pièces. Je le sens venir, je vais me prendre une bleue. Je sais pas pourquoi. Je le sens venir. C'est un truc de fou. Putain, j'essaye d'avoir le timing avec les tons, mais c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Voilà. Merci pour la carapace, Vert. C'est bien. Maintenant, si je me prends une roue... On s'en fout. Voilà, exactement comme je le disais. On est bien dans notre peau. Voilà. Deuxième. Oh bah. Elle tombe bien celle-là, dis donc. Bon bah écoutez. Je termine avec une petite humiliation là comme ça, bon. Bon, c'est vrai que c'est méchant, mais bon, quand même. Voilà. Je vais peut-être l'enregistrer dans mes favoris, tiens, tu vois. Juste pour l'arrivée. L'arrivée, franchement, il dit tout. Il veut tout dire. Il veut tout dire. M'arrête juste devant. Là, c'est la carapace rouge qui me fait atteindre la ligne d'arrivée, quoi. Ça veut rien dire. Oh, Mute City. J'adore la ville de... la ville. La piste de Mute City. Franchement. C'est vraiment... Oh là!
D'accord. Je savais pas moi qu'il y avait. Non, pas quitter le groupe. T'es fort en vrai. Merci beaucoup, Kurokoshi. Mais en même temps, j'ai farmé Mario Kart 8 comme pas possible. Non mais, pour redonner une idée, la route arc-en-ciel de Mario Kart 8, je la connais par cœur. Je pourrais la faire les yeux fermés, ce serait exactement la même chose. Je termine, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai toujours terminé premier en ligne sur la route arc-en-ciel. Toujours. Putain, il y en a un, il a une tête de bite. La tête de bite, c'est Bitman. D'accord, je sais pas ce que c'est. Je vois pas ce que ça peut être. Animal Crossing, d'accord. Ça ne dit pas ce que c'est, quoi. C'est tellement ça, en vrai. Oula, attendez. Il y a Flammar qui m'a envoyé un truc, mais je peux pas lire. Il me fait chier, putain. Ah, c'est le circuit qui s'adapte aux saisons. Ah oui, putain, c'est vrai. Je l'ai pas encore fait, celui-là. Ça, voilà. C'est bien la peine, je le connais pas. Ah, pas possible. En vrai, là, je dis... en vrai, là, vous me dites, je suis fort et tout, mais en vrai, y a pas de quoi, quoi. Je suis juste avec les débutants, moi, je suis un pro, quoi. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas de mérite, quoi. Mais bon. Là, tu peux pas... Tu peux pas me viser comme ça, mon copain. Ça, c'est sûr. La pièce, je la veux bien. La banane, je la veux bien. Merci. Pardon, Jacques Rab. Tu n'as pas pris d'objet, tu vas le regretter, toi. Voilà. Je préfère quand c'est comme ça. Je préfère quand c'est comme ça, quand je vois le chiffre 1. Là, je peux pas le faire. Eh hey, putain! Jacques Rab, tu casses les couilles. En même temps, c'est sans cesser. Je peux le rattraper. Voilà, j'ai fait une bêtise. Voilà. Le pauvre! J'ai presque été méchant avec lui. Par contre, je vais pas faire de conneries là par contre. Je vais essayer de terminer sur le podium au moins. Oula. Attends. Ça va pas me la faire à l'envers, mon copain, dis donc. Nolan. Très bien. Nolan, viens par ici. Voilà, putain! C'est pas possible! Ah, c'est mort. Ah, quoique. Bon. Le podium! Ah, dommage. Bah, bien sûr, j'y ai plus jamais joué. Ah, ouais, quand même! Ça remonte à loin sur DS. Putain, ça remonte à je sais pas combien d'années, moi. C'est des surprises ce que j'ai connu. Pas sûr de pirater les jeux. Ah bah ton beau-frère c'est un pirate. Aïe, putain, désolé pour le pète dans le micro. Le circuit Mario, le classique, on n'oublie pas. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Spin to win. Est-ce que c'est que ces conneries? What the f... C'est quoi ton truc? Mais what? C'est quoi ça? Tu m'as expliqué? Putain, depuis 2008! Non mais je sais que Mario Kart sur DS c'est 2004. 2008, ça va faire 10 ans mon pote, hein. Putain la vache. Ah bah là c'est sûr que si on te met sur Mario Kart 8 Deluxe, putain c'est sûr que là, tu vas te dire, oh putain c'est quoi ce bordel. Parce que Mario Kart DS c'est Mario Kart 8.
Oh. Ça n'a rien à voir. D'une puissance, mon gars. Mais tellement rien à voir. Voilà, oh, déjà, je grille Boo et je vais griller Bowser. Ah non, il a compris. Bravo. Voilà. Faut pas. Il faut pas, Bowser. Faut pas se la jouer trop. Tiens. Oh putain de merde. Oh putain, j'adore. Oh j'adore quand tout le monde se fait nickel devant moi là. J'adore. Oh j'adore. Ah oh, l'enculé, c'est une carapace rouge. Ah oh, je veux bien. Merci. Utilise là. Bien. Bien joué. Oh putain. Tiens, cadeau. Oh putain. Je sens que ça va être le bordel. Le premier tour c'était le bordel. Oh putain. Oh putain. Je vais me prendre une verte un jour, je vais pleurer. Ou une rouge. La rouge, ok. Mais la verte, franchement, si je me prends une verte, je pleure. Parce que quand tu te prends une verte, c'est la honte, quoi. Ouais, c'est ça. C'est surtout quand tu te prends ta propre verte. C'est ça. Mais les bananes, je les envoie en arrière, comme ça, j'ai pas de problème. Ah, la pute. Ah, la pute. Ah, la pute. Oh, oui. Oh, non. Ok. Il me reste un tour. Un tour, les gars. Le miracle. Le miracle, il peut se faire. De toute façon, là, ils sont trop en train de se battre. J'ai pas besoin d'une banane. Donnez-moi quelque chose d'autre, bordel de merde. Oh putain, oh putain. Oh putain de merde. Ah non, 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 non. Enculé. L'enculé de ces morts. Eh putain, la verte. Putain, pas possible ça. Mais putain, deuxième. Putain. Mais c'est pas vrai ça. Putain, c'est pas possible, il me bourre là. Putain, pas possible. Vas-y, huitième. Non, septième. Bon, ça va. Putain, les mecs, ils sont alliés contre moi là, putain. Face de mauvais perdant, quoi. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Quoi servir les pièces? Aller plus vite. Tout connement. Ça sert à aller plus vite, en fait. Mais mettez-moi la route arc-en-ciel que je vous nique tous. Je vous nique tous, je vous baise. Mais pas l'autoroute Toad. Putain, c'est de la merde comme course. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde, je vous dis. Putain, mais pourquoi ils ont mis cette course dans ce jeu, quoi? C'est de la merde. C'est de la merde, cette course. Pourquoi? Expliquez-moi, putain. Putain, c'est le pire circuit, mais vraiment, quoi. Putain. Ah, ouais, circuit d'Hyrule. Attends que ça tombe pas sur le truc Wario, là, franchement. Je dis merci. La vraie, pas tombée, quoi. Ah, encore un circuit Mario. Encore un circuit Mario, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a du 2000. 2700. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. On va prendre la chocobon. Le chocobon de l'encouragement. Un peu trop tôt. Non, même pas. Hein, passe pas devant moi, je te le dis direct. Premier qui passe devant moi, je le bute.
Je vais la mettre derrière moi quand même, au cas où. Au cas où s'il y a une rouge qui passe. Ah bah parfait. Donc quelqu'un qui a voulu se la jouer. Ah la fils de pute le bout. Bon là, rien à craindre. Je m'en fous de tes pièces. Non ! Oh, je me prends une verte. Ça va servir à rien. C'est pas grave. Parce que ce connard, il va se prendre une rouge. Ah merde, putain, il avait un truc. Putain, mais la rouge. Oh bah. Mais non, mais la putain. Oh putain, la malchance quoi. Mais la malchance, putain, c'est pas possible. Attends. Attends mon gars. Attends. Te. Fils de... Ok Seb, désolé, c'est toi qui... Putain mais pourquoi? What? Mais il avait rien. Mais il avait rien. Il avait rien. Ok. Oh l'enculé, je l'ai vu. Oh l'enculé, je l'ai vu. Bon, le podium, ça va. En vrai. Oh putain. Oh putain. J'ai cru que j'allais me faire enculer. Oh, j'y ai cru. Mon dieu. Voix céleste. Allez. Une petite voix céleste. Je vais tout donner. C'est ce que je dis à ma femme tous les soirs. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, on se des bonnes chances quand même. Bon alors. Imagine, ça tombe sur le aléatoire. On garde le premier. Mais lol, le premier c'est Hitler. Regarde, on a le mis. Ou alors Charlie Chaplin. Je dirais plus Hitler. je dirais aussi. Parce que Chaplin n'a pas la même coupe de cheveux. Non, il avait pas la même coupe de cheveux. Bouclé. D'accord. Je me souvenais plus qu'il y avait des bouclés. Il me semblait qu'il y avait autre chose. Ça bourre. Ah, je me souviens plus. C'est est-il, mon péché. Attends, je vais concentrer. Attends. Oh lolo. Voilà. Bon. Ça peut toujours servir les champignons si je me prends une rouge. Au moins, je repars de bon pied. Je garde les rouges. Merde! Bon. Dans ce cas de figure, voilà. Eh ben voilà, pas parfait. La deuxième? Ah non, mon gars. Non, mon gars. Non, mon gars, tu me dépasses pas comme ça. Mais putain! Mais la verte, là, putain! C'est pas possible! Putain, mais le mec, il a joué 15 000 heures à Sniper Elite ou quoi? C'est pas possible. Attends.
Ok, lui il a une banane. Il a plus sa banane. Si je peux avoir une. Parfait. Parfait. Je demandais pas plus. Il va plus être en tête longtemps, moi je te le dis. Le two shot. Putain, non, j'ai fait le con. Ouais. J'ai fait le con, c'est ma faute. C'est de ma faute. Voilà, j'ai voulu trop dasher. Je me suis retrouvé dans la boue. Pays fromage. Non, je vais me poser. Pas abuser non plus. Bah c'est bien. Oh non, merde. Mamour. J'ai les mêmes goûts qu'Hitler. Regarde. J'ai les mêmes goûts qu'Hitler, merde. Je fais quoi? Est-ce que je m'accorde le point Godwin? Bah c'est déjà le cas donc. De manière significative. Oh ta gueule. Mais c'est significatif, c'est juste qu'il y a 2-3 points. Ouais, mais c'est. Voilà. Tu sens le mec, il veut la barbe quoi. Tu le sens. Le ricin. C'est la ville, le ricin. En vrai, ça marche. Ça dégage, bande de bouffons. Oh, mais homme. Vous m'aspectez pas. Je suis Alain Soral. Ça dégage. La banane qui fait plaisir. On attend la petite rouge qui va arriver, c'est sûr. Si j'arrive à terminer premier au lieu d'Hitler, franchement, je me dis, j'aurais bien représenté mon pays. C'est quand même une consécration. Il y en a un qui va dasher, c'est sûr. Voilà, ça c'était sûr. Mais il s'est planté. Le PB, le Hitler, il s'est planté. Il s'est planté. Voilà. Parfait. Je prends pas les tuyaux parce que c'est un piège à construire. C'est un piège à con. Je prends pas les trucs. C'est pas grave, de toute façon. Je me suis dit, il y a forcément un bout qui va me voler mon premier objet. Du coup, je me suis dit, ce serait bien que je me protège au cas où si j'ai un bout. Il m'a volé mon truc comme un vilain filou. Voilà, comme ça. Et puis comme ça, je suis tranquille. Je suis tranquille, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis tranquille. En vrai, hey, pourquoi tu pars à droite à chaque fois quand tu vas là? Tu perds du temps. Oh merde. Ça, par contre, ça va me coûter très cher. Voilà, ça j'étais sûr. Oh là, Roy, il s'est fait. Oh là, Roy. Enfin, Hitler, du coup, mais. Vous m'avez compris. Il est très serré. Très. Trop serré. Trop serré. Trop serré. Oh non. Tiens. Oui. J'ai tué Hitler. J'ai tué Hitler. Oh putain. Je l'ai tué en plein vol. Oh putain, merde.
Sur la dernière ligne droite, j'ai tué Hitler. J'ai tué Hitler. Maintenant, redéfinissez les bouquins d'histoire. C'est moi qui a tué Hitler. Oh putain. Je vais arrêter un peu parce que ça fait un peu beaucoup. Oh putain. Oh le con. Oh, j'ai tué Hitler, quoi. Mon dieu. Oh, je l'ai baisé. Je l'ai baisé. Attendez, on va regarder ça. Je l'ai baisé. Ah, mais tellement. On peut pas ajouter dans les récents, enfin dans les favoris, les replays. Parce qu'à mon avis, je peux. Je tue Hitler en plein vol. Ouais, c'est ça. Temps fort. Ah bah voilà. Parfait. Ah bah je crois que c'était là en plus. Voilà. On admire le geste. La carapace rouge. Attends pas, maman. On admire le geste d'harmonie, voilà, je me lance. Je lance la carapace rouge, je touche Hitler. Hitler tombe. Voilà, il est dans le désespoir le plus total. Et moi, je suis dans mon jacuzzi. À un moment, je me suis dit, merde, je vais redéfinir les bouquins d'histoire avec les conneries. Voilà comment j'ai tué Hitler. On va faire une coupe, tiens. Je vais continuer ma quête des coupes. Solo, bah évidemment 150. Faudra que je fasse aussi les. Ah, t'as bien joué à Mario Kart, toi. Ah, je vois ça. 150, le miroir, j'ai rien fait. 200, j'ai rien fait. J'ai vu ça. Alors attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, je l'ai fait. On va faire celui-là, c'est le classique. Vamos au classique. Champidrome. Voilà, la première course qu'on a commencé dans le jeu. Elle est très bien cette course. Moi j'ai rien à dire. Ça dégage. Bon là c'est plus contre des humains. Donc là, le niveau, comment dire, voilà. On est remonté dans un niveau assez bas. Remonté dans un niveau assez bas, bien sûr. Je veux dire redescendre. Hop, quel est le deuxième objet? Hop. Des pièces, j'en ai pas besoin, de toute façon j'ai tellement de distance à toi, c'est bon. Ah oui, mais pourquoi tu prends l'harmonie? Déjà parce que... Elle est bien, ça j'ai touché quelqu'un. Déjà parce qu'elle est bien, c'est une bonne perso, puis aussi c'est mon mec parce que c'est harmonie, bordel de merde. Je veux dire, c'est la personnage de Mario. Tellement la plus intéressante, en vrai. Mario, au pire, on s'en bat les couilles. Tout est expliqué dans Yoshi's Island. Ouh là là là. J'ai failli me péter la gueule. Mais Harmony, quand tu... Mais surtout dans la version française, c'est ça qui est génial. Dans la version française de Mario Galaxy, il y a des phrases en plus, il y a du texte en plus. Tu sais d'où vient Harmony. Et c'est franchement génial. Même pas dans la version japonaise, non, non, la version... française. Cocorico. Voilà, Cocorico. Il y a des champignons de partout en fait. Je ne peux pas dire non. Je dis pas non, monsieur. Bon, comment je dis ça? Le pauvre. Ah, j'ai traversé le mur, tu vois. Bon. Puff.
Ah, nous aurions une bleue, je crois. Bon, c'est pas grave. Je pense que je vais faire cette coupe-là, puis après, ouais, je vais arrêter. Je vais stopper. Distopper. Après, je vais emmener la console dans ma piole pour pouvoir y jouer plus longuement. En vrai, la Switch, j'en ai fait une vidéo unboxing avec justement mes deux meilleurs potes. On s'est bien marré, vous allez voir, c'est mon délire le machin. Au début, j'y croyais pas que je pouvais jouer avec les Joy-Con détachés, genre en mode le Joy-Con dans le bras gauche, enfin genre le décalage entre le Joy-Con de gauche et droite. Voilà, je croyais qu'on ne pouvait pas jouer, mais en fait si, ça se joue très bien même. Par contre, merci. Même mon pote qui est PS4, il s'est dit putain, j'ai envie d'acheter une Switch. Il devait s'acheter un ordinateur Razer ou Predator. Le mec il s'est fait. Je crois que je vais acheter la Switch. Tu vois? Alors qu'au début il disait que c'est une console de merde. Hein. Véridique. Véridique. Tes pièces, non. C'est véridique. Attendez. Double objet. Qu'est-ce que je peux avoir? Encore des bananes, putain. Ouais, marque tes bananes, moi, pute. Oh putain. Oh. Elle s'est arrêtée contre une banane, je crois. La chance. Oh bah. J'avais pas vu celle-là, tiens. Ils m'ont même pas prévenu, les bâtards. Non, c'est même pas... Mais j'ai même pas eu la notif. Ils ont pas dit faites gaffe, y a un truc qui arrive. Bon. Deuxième course achevée. Évidemment, le chocobon de la récompense. Tellement bon le chocobon. Celui-là il est assez marrant comme course. Oh non! Début. Non, c'est bon? Non, c'est bon. Et oui, avec cette histoire de retraite complémentaire, franchement. J'ai stressé comme un malade mental, mais en fait, je me suis mis trop bien. Oh, je l'ai. Putain, la pute. Attends. Oh, vas-y, la bleue. Ah, mais ils sont vénères aujourd'hui, les bots. La vache. Eh, mais ils sont vénères, wesh. Isabelle, viens là, je vais te défoncer la gueule. On dirait un mari de 40 ans qui bat sa femme, quoi. Isabelle, viens là, je vais te battre. Je vais te défoncer la gueule, c'est le but. T'as osé me tomber pour Jean-Jacques. Pourquoi tu m'as fait ça, putain? Voilà. On est content. On est content. Bon. Je planche ça parce que ça me sert à rien. De toute façon là je suis. Ah quoi que. Elle est pas si longue que ça, Elisabeth. Bon ça va, j'ai une carapace verte.
Beruto. Merde, pourquoi je l'ai lancé? Bravo. Oh bah bravo. Ah bah GG. GG. De toute façon là, j'ai gagné. J'ai gagné le chocobon de la consolation. Oh pardon. Course suivante. Faut quand même répondre à Colif là. Bon, celle-là, c'est la course. Voilà, je me dis, j'ai déjà gagné. Honnêtement, il n'y a pas de difficulté. En même temps, c'est la première coupe du jeu. Tu me diras si t'as la difficulté là-dessus. Bonjour à galère quand tu vas arriver à la fin. Putain. Parce que là, je rappelle, là, c'est le jeu de base. Mais, enfin, c'est le jeu avec les DLC. C'est-à-dire avec... Excusez-moi. Putain. Ah putain, j'ai la crème moi ce temps-ci. Oui, le jeu en version vanilla, il n'y a pas les 4 dernières coupes. Il n'y a pas les 4 dernières coupes, il n'y a pas la coupe Yoshi, il n'y a pas la coupe Link, enfin bref, il n'y a pas ces coupes. Du coup, putain, il y en a un qui m'a passé devant. Voilà. Non, mais oh. J'y crois pas. J'ai voulu se la jouer. Mais le jeu vanilla, franchement, il y avait que le mode 150cc. Non, je crois qu'il y avait aussi le mode miroir. Je dis pas de conneries, il y avait aussi le mode miroir. Je suis plus sûr. Oui, oui, il y avait le mode miroir. Mais il y avait pas le mode 200cc. Il était pas encore là. Il est venu avec une mise à jour en 2016. Ou en 2015, je sais plus. Non, non, 2016. Et je me... Ah non, quoique... Non, 2015. Parce que j'étais encore chez mon oncle. 2015. Et le mode 200cc, putain, c'est un peu doux. Même moi qui ai un... Pas un pro, mais qui ai un... Qui ai un habitué au jeu, franchement, ça m'a vite déconcerté. Putain, j'ai vu la rapidité, j'ai fait... Oh putain, le délire. Oh putain, le délire. Mais ça va, ça se fait, c'est faisable. C'est très dur, mais c'est faisable. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est le meilleur Mario Kart, bordel de merde. Y a pas à chercher 36 000 ans lequel est le meilleur, lequel est l'autre. Le meilleur, c'est celui-là. Parce que c'est le plus complet. C'est le plus complet, tout simplement. Mal au cul, moi. Bon, alors, on va voir les résultats et je vais vous laisser ici. Quand même 1h10, si on combine les deux lives, ça ferait presque 2h. Hop. La coupe trophée, la coupe champignon. 550 pièces. Alors oui, il faut débloquer les éléments de ton carte, mais bon, ça c'est dans tous les jeux comme ça. Voilà. Il faudra que je teste les amis. Alors, j'en ai qu'un, Hugo. J'ai qu'un amiibo, c'est Harmony, évidemment. C'est quoi? Oh, les nuages! Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Il est où le Blue Falcon? Il est le Blue Falcon. Voilà. Mais du coup, c'est pas ça que je voulais faire. J'allais partir pour une autre course. Mais du coup, moi, je vous laisse... on va s'asseoir sur l'écran titre. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, surtout, là, il est minuit. Profitez bien de votre soirée, profitez bien de votre nuit, et profitez bien de la vidéo aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo dans la journée, voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner,
Et moi, je vous dis à bientôt et à la prochaine pour une vidéo. Allez, bye tout le monde.